Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à vous présenter Heroes of the Storm, donc en bêta chez Blizzard, donc un jeu similaire à LoL. Je sais plus, pour moi c'est un Tower Defense, mais je pense que c'est un autre nom, peut-être MOBA ou je sais plus quoi. En tout cas, il est plutôt bien fait comme d'habitude chez Blizzard. Après, est-ce que sur la durée il restera intéressant? On verra ça. Dernier épisode, j'avais fait une partie d'entraînement. Donc ça dure 12 minutes, ouais, c'est relativement rapide. Alors j'ai gagné des nouveaux talents, je vais regarder ça. Donc c'est ici. Talent. Donc maintenant, je vais avoir le choix avec... Tuer des serviteurs permet de corrompre les mercenaires. Ouais. Relève une large zone. Place un drone de reconnaissance à l'emplacement ciblé. Ouais, bof. Ça m'intéresse que moyennement. Double la réduction du temps de recharge dans première ligne. Augmente les dégâts des attaques de base contre du mana. Ouais. Réduit les dégâts de capacité des ennemis qui éteignent le héros. Ok. Augmente la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement. Ah, ça c'est pas mal. Augmente la vitesse d'attaque de 40 et la vitesse de déplacement de 10. Ouais. Téléporte sur une courte distance. Bon, on verra. Je vais changer de mode. Il y a plusieurs modes de jeu évidemment. Entraînement, coopération. Coopération, c'est d'autres joueurs contre l'IA. Là, c'est... En fait, je jouais contre l'ordinateur. Hein. Partie rapide. Ligue héroïque. Affronter d'autres joueurs pour le classement. Alors, j'ai jamais essayé ça. Je vais essayer. Est-ce que ça marche? Prérequis, vous devez posséder au moins 10 héros. Ah oui, ça fait beaucoup. Donc pour l'instant, c'est pas possible. Par contre, partie rapide, c'est peut-être possible. Ouais, c'est parti. Prochain épisode, je parlerai peut-être, pardon, de la boutique. Alors j'ai choix avec d'autres héros. Du coup, je vais peut-être en prendre un autre pour commencer pour ce deuxième épisode. Alors, il y a plusieurs classes, évidemment. Raynor étant un assassin à distance. Soutien au contact. Assassin à distance. Soutien à distance. Diablo étant un guerrier au contact. Je vais prendre un soutien à distance, je vais essayer. Ou alors, non, je vais continuer à Apex un peu, Raynor. C'est quand tu veux. Non, j'ai envie d'essayer quelque chose de différent. Excusez-moi, changer de mode, partie rapide, changer de héros. Je vais essayer Tyrande, marque les cibles ennemies pour augmenter les dégâts contre elles. J'entends la voix des lunes. On verra ce que ça donne. Je l'ai jamais joué, hein, donc on va voir. Donc là, a priori, la différence, c'est que on a affaire à des vrais joueurs, donc c'est plus pareil, à mon avis. Donc une nouvelle carte, les mines hantées. Ça, c'est la carte où il faut descendre dans les mines pour récupérer des crânes. Après, une fois cette armée vaincue, les golems se réveilleront dans les deux équipes. Plus votre équipe aura collecté de crânes, plus votre golem sera puissant. Ok. Donc il y a tout intérêt à descendre dans les mines. Je pense qu'on aura un message quand elles vont s'ouvrir. Je vais laisser la petite vidéo d'intro. Préparez-vous à entrer. Ah non, il n'y en a pas. D'accord, j'ai rien dit. En avant. Il n'y en a pas. Vous êtes prêts à dégommer des ennemis? Bien sûr. Alors, du coup, je connais pas mes... une carte à 4 a priori, à 5. Réduit en temps de recharge de marque de chance. Dans 10 secondes. Et l'autre réduit 5, le coût en mana 4, de la lumière des lunes. 3, 2, 1. Tout de suite. Battez-vous à mort. Alors, on a un soin.
envoie une chouette qui survole un champ de bataille, inflige 76 points de dégâts au premier héros ennemi touché. Ok. Au bout d'un court délai, inflige 108 points de dégâts aux ennemis dans la zone ciblée. Ouh là là. Bien sûr. Ok. On va voir ce que ça donne, hein. Il a pas l'air facile à jouer. Par contre tout le monde est là-bas, je sais pas si je devrais aller les aider peut-être. Immédiatement. Je vais y aller. Je vais prendre le... Ça c'est pour avoir la vision. Aïe. Alors j'ai pas trop l'habitude parce que l'autre tankait. Lui visiblement ne tank pas. Oulala. Sur le champ de bataille, vite. C'était pas prévu comme ça. Les mines vont s'ouvrir, héros. Bientôt les morts vivants se réveilleront. Ah, on va pouvoir aller dans les mines. Attends. Ah, j'ai pas l'habitude de pas tanker. Ça change du tout au tout par rapport à avant. Il va falloir que je m'y fasse. J'ai fait 5 parties avec un tank. Et là, on tank plus du tout là. Avec ça. Je suis pas sûr de tout à fait aimer la manière de jouer. Donc là, on est dans les mines. Qu'il en soit ainsi. Il faut détruire des crânes. Il faut détruire des. Au nom des lunes. Pour ramasser le plus de crânes possible. Immédiatement. Choisissez un talent. Cette charogne ne mérite pas de vivre. Merde. Y'a des ennemis là ou pas? Oh merde, je suis pas doué. Au nom des lunes. Défoncé. Sur le champ de bataille, vite. Anudora. On a eu 22 crânes, ils en ont eu 40, c'est ça? Mais ça fait pas le poids en fait. Je pense que ça me paraît un peu risqué de redescendre. Qu'il en soit ainsi. Au nom des lunes. Par contre, il y a un camp de mercenaires là, je sais pas. On a eu un. Réveillez-vous, mes golems, et faites exploser votre colère toute puissante. Alors, je sais pas trop. Au bout d'un délai, inflige 180 points de dégâts. Je sers la vie. J'avoue que pour l'instant j'aime pas trop comment elle se joue celle-là. Bon, rien. Votre golem est terminé. Mais il est plus faible que celui de vos adversaires. Pareil lune. J'y vais. Malheureusement, je suis encore mort.
Ouais, c'est un sacré golem qui sont. Choisissez un. Ça augmente la vitesse de déplacement. Il a l'air costaud leur golem. En ville plutôt que de remourir. Voilà, histoire de regagner un peu de vie. Pareil lune. Ça, j'ai pas compris comment ça marchait. Je sers la déesse. C'est un soin, tout simplement. Au nom des lunes. J'ai l'impression qu'on perd. Franchement, j'aime pas du tout pour l'instant celle-là. Elle est trop fragile, ça me va pas. Moi qui aime plutôt foncer dans le tas. Et... Sur le champ de bataille, vite! Elle est trop finaude à jouer. C'est pas du tout fait pour moi. Là, j'arrive. En plus, il faut viser ses adversaires, hein. C'est pas fait pour moi du tout. Vous êtes prêt à combattre les morts vivants? Les mines ouvriront bientôt. Anudora. Choisissez un talent. Alors, frappe et ralentit les ennemis dans la zone ciblée. Entrez, héros. Les damnés vous attendent. N'ai-je pas mentionné que la mort n'avait pas cours ici? Donc ça c'est nous, ça c'est eux je pense. Ou alors c'est l'inverse, ça c'est nous, ça c'est eux. Je sais pas trop en fait. Le combat vient à peine de commencer. Immédiatement. Alors j'aimerais bien aller dans la mine, mais... Je sais même pas si je vais pouvoir rentrer. Si c'est bon, y a personne. Qu'il en soit ainsi. Je crois que je vais arriver trop tard. Ennemi tué. Oh super celui-là. Golem. Levez-vous et marchez. Ah, je rêve où on a gagné plus que. Ça m'épate. Malheureusement, c'est pas grâce à moi, il faut bien le dire. C'est pas du tout grâce à moi, il faut bien le dire. Ciao.
ennemis ne vont pas le boire. La prochaine t'as fois, vraiment une sale mine. Va voir un coup vite fait. Les golems revivent. Le vôtre est beaucoup plus puissant. Choisissez un calme. Réduit les dégâts d'un héros ennemi, porte la zone d'effet augmentée. Ouais. Immédiatement. Ennemi tué. Ok, j'ai pas beaucoup de points de vie là. Ah, il y a un camp à se faire là-haut. Non, c'est pas ce qu'il veut faire. Là. On devrait prendre ce camp de mercenaires. Ouais. Tout de suite. Cool. Bon, moi je vais aller avec mes mercenaires. Massacre. Je pense que là on les a bien eu. En tout cas, avec tout ce qu'on a comme troupe ici, je crois qu'on va bien avancer. Que le courroux de la déesse s'abatte. Il est temps qu'on avance parce que la partie est déjà longue. Bien joué, compagnon. Et là, s'ils viennent pas s'occuper de nous. Oh merde. Pareil lune. Oh, j'ai réussi à le stopper, je sais pas comment j'ai fait. L'étourdi pendant une seconde, ouais, c'est bien ça. C'est ma cible qui étourdit l'adversaire pendant une seconde. Inflige des dégâts sur les mortels. En avant. Donc ça, c'est une soigneuse, elle, a priori. Voilà, je m'en vais. Alors ça, normalement, ça sert à récupérer de la vie, c'est ça? Bien sûr. Les damnés reviendront bientôt. Préparez-vous, héros. Plus de retour en arrière, désormais. Ah, sérieux? Ils m'en veulent, je crois. J'ai de la chance si j'arrive à m'en sortir. Ce qu'il y a, c'est que là, il faudrait aller dans la mine. Je sais pas pourquoi personne n'y va. Ah, bordel, j'ai joué avec le feu, j'aurais pas dû, je crois. D'un côté, j'ai l'impression qu'on est en train de nettoyer la mine. On a eu plus de crâne que pour l'instant, donc ça va. Il me reste plus que un niveau à atteindre, le niveau 20. Le combat vient à peine de commencer. Je sers la déesse. Ouais, faut que j'aille jusqu'à la mine là. Pour aider mon... Merde, ils ont eu plus de crâne que nous. En avant. Je sens que je vais arriver trop tard. Il est temps que mes golems reviennent à la vie. Bien joué. Que le courroux de la déesse s'abatte. Immédiatement.
Bientôt vous renaîtrez. 45 secondes, ça devient long. En fait, je vais en profiter pour arrêter ma vidéo ici et en reprendre une par derrière. Alors c'est un peu chiant parce que comme c'est des joueurs, des matchs multiplayer, on peut pas s'arrêter comme on veut. Donc je vais profiter du fait que je sois mort, je vous donne rendez-vous du coup demain pour la suite de cet épisode. Mais soyez prudents.